Il est prêté à l'huile d'onction des vertus extraordinaires comme s'il convenait d'en faire la condition indispensable de l'intervention divine. Jésus fait observer que de son temps sur terre il n'a jamais fait usage de l'huile d'onction pour ses œuvres. L'accomplissement des diligences annoncées dans les deux versets suivants ne devront rien à l'huile d'onction, la foi suffira. Jean 14, 12, en vérité je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Message du Seigneur Jésus à Léonard Lacroix. Léonard Lacroix, le Seigneur Jésus te dit que tu es devenu un aveugle et que tu ne vois plus rien. Matt 15, 14. Puisqu'un aveugle n'est pas capable de conduire un autre aveugle, tous ceux qui suivent Léonard Lacroix sont tous aveugles et leur part c'est l'enfer. Le Seigneur Jésus fait savoir à Léonard Lacroix qu'il a péché contre le Saint-Esprit et porte sur lui une dette de péché éternelle. Le Seigneur Jésus lui dit qu'il n'est pas seul dans ce cas, sont aussi concernés et obérés d'une dette de péché éternelle, tous ceux avec lesquels il a discuté et blasphémé l'homme de Dieu, le choisi et le béni de Dieu, l'apôtre Gabriel. Jésus lui signale que sa sagesse à lui Léonard Lacroix, n'est que folie devant lui, le Tout-Puissant 1 Cor 3, 19. C'est plutôt l'esprit d'envie qui l'anime. Il s'interroge et met en doute le fait que l'apôtre Gabriel ait été déclaré le seul chrétien, l'homme intègre, l'épouse de Jésus-Christ. Et Jésus de lui signifier ceci, « Toi, Léonard Lacroix, tu aurais bien voulu être celui-là promu au rang de père spirituel du monde et c'est cette envie qui te monte contre mon fils Gabriel. Il faut que tu saches Léonard que moi, Jésus, je fais grâce à qui je veux. » Le Seigneur Jésus me charge à moi Gabriel de te donner à toi, Léonard Lacroix, ce témoignage d'une fidèle de Deep Life à qui il a interdit de se tresser les cheveux avec du fil nylon. Réticente, cette femme s'en est référée à son pasteur et a plutôt suivi le conseil de ce dernier. Décédée, cette femme s'est retrouvée en enfer. Tout cela vise à te faire comprendre que l'homme n'aura jamais le dernier mot, au contraire, le dernier mot appartient à Dieu. Le Seigneur dit en Matt 5, 27 et 28, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Le Seigneur Jésus a le dernier mot et il aura toujours le dernier mot. En Jean 16, 12 et 13 Jésus annonce clairement qu'il a encore beaucoup de choses à nous dire, choses que nous ne pouvons pas porter maintenant. En venant, le Consolateur, l'Esprit Saint aura à nous conduire dans toute la vérité, c'est-à-dire à nous expliquer le reste. Léonard Lacroix, Jésus te signale que tu as péché contre l'Esprit Saint. Tu as préféré écouter certains faux pasteurs, ceux qui te paraissent sages et qui ont estimé que les révélations de l'apôtre Gabriel ne sont pas fondées. Agissant de la sorte, tu te es taillé une place en enfer et il en est de même pour ta femme. Ta femme et toi, vous avez délibérément choisi de porter des jeans car, selon vous, il fait frais aux États-Unis et c'est le tissu jean qui vous semble le plus approprié pour vous protéger contre les rigueurs du climat. Oui, Léonard Lacroix, tu as indéniablement bien travaillé pour Dieu. Ton travail mérite bien un salaire. Mais, dans le cas d'espèce, toi, tu seras as rétribué en enfer. Marc 3, 29, « Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Consigne bien ces paroles quelque part si cela te plaît de considérer que tu n'iras pas en enfer. Ignorerais-tu que c'est bien moi le Seigneur Jésus qui ai créé tous les climats de la terre tout en donnant à l'homme pouvoir et moyen de s'en protéger? Il est bien plus sage de ne pas utiliser indistinctement tous les moyens dont nous disposons sans se demander si les éléments de protection concernés sont contre la volonté de Dieu ou non. Moi, le Seigneur Jésus, je constate, non sans regret, que toi Léonard Lacroix tu aimes la mort et tu iras dans ce lieu qui a été préparé pour le diable et ses anges déchus. Proverbe 8, 36, « Mais celui qui pèche contre moi nuit à son âme. »
Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. C'est bien la mort que tu aimes, Léonard Lacroix, puisque tu es Dieu. Léonard Lacroix, je te fais savoir que tu es misérable et tristement pauvre en esprit. Tu as fait du mal à ton âme pour toute l'éternité. Tu as usé de la sagesse humaine pour traiter le cas de Claire Andoune et de David Aurumor. Mais ce que tu ignores, Léonard Lacroix, c'est que ni Claire Andoune ni David Aurumor ne se sont créés d'eux-mêmes. Celui qui les a créés, moi Jésus, j'ai le dernier mot. Ainsi Claire Andoune ne peut pas faire sa volonté. Le prophète Aurumor ne pas non plus faire selon sa propre bon vouloir. Les deux sont tenus de faire ma volonté à moi, elle éternelle, leur créateur. C'est la raison pour laquelle je dis en Matthée 21 à 23, celui-là seul qui fait la volonté du Père entrera dans le royaume des cieux. Léonard Lacroix, si tu lisais minutieusement la Bible, tu aurais dû te rendre compte que moi, elle éternelle, je ne reçois jamais conseil de qui que ce soit avant de prendre une décision. Lorsque Dieu a dit à Osée d'aller se marier à une prostituée, il a obtempéré. Quand bien même cette femme dont il a eu des enfants continuait à se prostituer, Osée n'a pas cherché à la répudier car il était davantage préoccupé de rester dans la volonté de Dieu. Dieu a prescrit à Jérémie de ne plus se marier et de demeurer seul. Mais lorsqu'il a tenté de se prendre une fiancée, cette dernière a été assassinée devant lui. Paul dit bien que si quelqu'un ne veut pas se marier, il peut vivre seul. Mais, en raison de son incontinence, que chaque homme s'unisse à sa propre femme et que chaque femme soit auprès de son propre mari. Il n'empêche que Paul lui-même ne s'est pas marié, car il a décidé d'épouser Jésus-Christ afin de ne dépendre que de lui seul et aussi afin de rendre ferme son attachement à Jésus. Il a par conséquent reconnu que eux les apôtres avaient le droit d'épouser des femmes ainsi que d'autres l'ont fait. Si au cours de la vie de Paul, Dieu lui avait enjoint de se marier avant sa mort, il se serait plié à cet ordre divin. Lorsque le Seigneur s'est saisi de Paul sur la route de Damas, Paul a obéi et la volonté de Dieu a été faite. Léonard Lacroix n'a pas usé de la sagesse de Dieu et la plus grave des erreurs qu'il a commises tient à l'impatience. Il aurait dû temporiser et demander à Dieu son éclairage à propos de la véracité du message avant de porter sur ses révélations la moindre appréciation. Il s'en est référé à sa propre sagesse et il a commis ce péché impardonnable dont la conséquence est l'enfer où il devra résider. Léonard Lacroix porte en lui cet esprit de vengeance. Il passe du temps à vérifier des informations en ne s'appuyant rien que sur sa propre pensée. C'est ainsi qu'il a mené des investigations sur moi, l'apôtre Gabriel et le missionnaire Benjamin, celui qui a réalisé l'introduction à mon CD intitulé 24 heures dans l'au-delà. Il a reçu de l'un comme de l'autre les mêmes réponses bien que le missionnaire Benjamin et moi nous étions séparés de plusieurs kilomètres et n'avions pas eu de concertation préalable au sujet des ponts faisant l'objet de ses recherches. Dans la mesure où Léonard Lacroix ne croit pas que je suis le seul chrétien au monde, le Seigneur Jésus me charge de lui expliquer que l'attribution des titres est de son ressort exclusif. Ainsi il a appelé David, l'homme selon son cœur. Il a appelé Abraham son ami et le père des nations, il l'a également appelé le père des croyants ou de la foi. Léonard Lacroix m'a demandé à moi, Gabriel, si j'aurais reçu un message pour lui de la part de Dieu. Je lui ai expliqué que les choses cachées sont en lui et que, selon le Seigneur, il doit encore se défaire de plusieurs péchés qui demeurent encore en lui. À l'appui de cette réponse, je lui ai donné les versets suivants, Romains 8, 14 et Romains 8, 25. Dès lors, il en est venu aux représailles. Il menace de désactiver les messages 14 heures dans l'au-delà qui ne paraîtront plus sur son site web. Moi, Gabriel, je ne lui ai jamais demandé de traduire mes messages en plusieurs langues et de les publier sur Internet. C'est lui-même Léonard Lacroix qui s'est chargé de ses actions, de son propre chef. Tout ce qu'il fait en ce domaine n'est ni en ma faveur, ni en ma défaveur, mais appartient au domaine de ses rapports avec le Seigneur Jésus. Léonard Lacroix utilise les ressources de l'intelligence humaine pour apprécier les révélations divines. Il en est à me traiter d'enfant et, de surcroît, d'illettré africain. Je suis né en Afrique et moi, Gabriel, je n'en disconviens pas.
Moi, Gabriel, au-delà de la nationalité togolaise dont je suis loin de rougir, j'ai la nationalité céleste, ce qui est une grâce. Léonard Lacroix, plutôt que de t'engoncer dans des invectives stériles, tu ferais mieux de fléchir les genoux devant le Seigneur Jésus en lui demandant de t'éclairer dans sa justice et sa fidélité et le Seigneur, il se révélera à toi. Jérémie 33, 3, invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses que tu ne connais pas. Il est regrettable pour toi, Léonard Lacroix, que tu sois descendu aussi bas. Car, sois-en certain, les démons t'attendent désormais pour te châtier en enfer. Lorsque tu seras parvenu à cette étape, tu chercheras avidement à te repentir, mais comme tu dois le savoir déjà, la repentance en enfer n'a pas de valeur. Elle est de nul effet, elle est absolument infructueuse. Ceci étant, Léonard Lacroix, jeûne autant que tu le peux, prie autant que faire se peut et pleure à t'en fendre l'âme si tu le désires, tout cela ne changera plus rien à ta situation et à la décision du Seigneur à ton encontre. Il serait néanmoins souhaitable que ton infortune serve d'exemple à tous ceux qui seront au fait de ta débâcle, afin qu'ils se gardent de t'emboîter le pas. Passer toute son éternité en enfer, moi personnellement Gabriel, je ne peux le souhaiter à aucun de mes semblables, s'il n'en tenait qu'à moi. Mais moi Gabriel, je n'ai pas le dernier mot. C'est Jésus lui-même qui a statué sur ton sort. Puisque, à la légère, tu as choisi de t'élever contre le Seigneur Jésus, de le combattre effrontément en rejetant son message divin, pensant ainsi porter préjudice à son messager, alors, Léonard Lacroix, tu en feras les frais. Dieu n'échoue jamais et c'est toi le gros perdant, la victime de ce bras de fer engagé à ton instigation. Léonard Lacroix, comment se peut-il que tu aies oublié un seul instant que la sagesse humaine ne peut jamais prévaloir sur la sagesse divine? Léonard Lacroix, comment se peut-il que tu aies oublié un seul instant que la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse? Proverbe 9, dit tu ne crains pas Dieu, tu te rebelles ouvertement contre lui et te voici en passe d'en payer le prix fort, l'enfer. Consentirais-tu à lire un Corinthiens 18 à 21 pour voir le tort que tu te es ainsi causé? Offre-toi également la lecture de Proverbes 26, 4 et 5. Léonard Lacroix, tu es devenu spirituellement insensé et misérable. Examine-toi un peu. En travaillant pour Dieu, ta destination éternelle en enfer est déjà fixée, l'enfer, car tu te es mis à dos celui-là seul qui a le pouvoir de prémunir contre l'enfer. Examine-toi encore un peu plus. En choisissant d'errer pour le diable, c'est toujours l'enfer qui t'est réservé. La surclaire en doux m'appelle papa et cela suscite envie et jalousie en toi. Je veux te faire savoir que par sa grâce, le Seigneur a fait de moi, non seulement le père spirituel de Claire Andou, mais également le père spirituel du monde entier. J'avoue qu'il s'agit d'une grâce imméritée car, lorsque j'analyse ma vie antérieure, je suis le premier à reconnaître que je n'en suis pas du tout digne. Alors, Léonard Lacroix, ne t'irrite pas contre Dieu en le questionnant sur sa décision à mon endroit. Il est déplorable que toi, Léonard Lacroix, tu sois devenu spirituellement mort quoique vivant de corps. Il est vivement recommandé à tous ceux qui commettent les mêmes erreurs que toi en cachette parents au plus pressé en cherchant le chemin de la repentance, ils doivent s'amender et se dédouaner en faisant une confession sincère au Seigneur Jésus afin de se dérober de sa colère et d'obtenir sa miséricorde. Léonard Lacroix, parce que tu critiques le nombre de personnes réputées prêtes pour l'enlèvement, si la trompette avait sonné en 2015, le Seigneur me charge de te répondre que cette âme n'est pas d'origine américaine. Elle est d'origine africaine, de race noire et, de surcroît, est togolaise. Léonard Lacroix, maintenant, je te transmets par la présente les questions que te pose le roi des rois. Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de lesbiennes et de PD en exercice aux USA? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de chanteurs mondains et d'acteurs de films sataniques opérant aux USA? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de mondains présents aux USA? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de personnes qui se tressent avec les mèches, qui se défrisent les cheveux, qui se maquillent, qui utilisent des ornements et autres articles de joaillerie présents aux USA?
Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit aux USA? Romains 8, 14. N'as-tu pas lu 1 Pierre 4, 18 qui stipule que le juste sera sauvé avec peine? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre d'armes, fusils, pistolets, mitraillettes notamment, qui sont vendues tous les jours aux USA? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre d'enfants qui prennent la drogue aux USA? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de personnes qui sont dans la franc-maçonnerie, qui militent dans les sectes aux USA? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de personnes qui méprisent leurs prochains aux USA? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de personnes qui tuent leurs prochains aux USA? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de personnes qui couchent avec la femme de leur frère aux USA? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de personnes remplies d'orgueil, d'envie, de jalousie aux USA? Proverbe 21, 2. Toi, Léonard Lacroix, tu peux te faire à l'idée que les Américains sont justes, mais pour lui est l'Éternel qui sonde les cœurs, seule une âme est prête et cette âme, ne t'en déplaise, est africain et provient du Togo. L'œuvre que je t'ai confiée à toi Léonard Lacroix, poursuit le Seigneur, tu l'as finalement refusée, préférant plutôt te liguer contre moi ton Créateur. Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de ceux qui me donnent leurs dîmes et autres offrandes aux USA? Peux-tu me dire avec précision le nombre de ceux qui se haïssent mutuellement aux USA? Marc 25. Il est dit de se pardonner mutuellement mais toi, Léonard Lacroix, connais-tu le nombre de ceux qui obéissent à cette recommandation aux USA? Toi, Léonard Lacroix, connais-tu le nombre d'Américains qui meurent chaque minute et le nombre de ceux qui parmi eux sont admis au paradis? Lis aussi, Léonard Lacroix, Jean 21, 25 pour comprendre qu'aucun livre de ce monde ne saurait contenir les miracles que moi Jésus, j'ai opérés sur terre avant de retourner au ciel. Quand Jérémie 33, 3 te recommande de m'invoquer afin que je te montre les choses cachées, sais-tu les choses cachées dont je fais allusion? Es-tu, Léonard Lacroix, le conseiller du Dieu Tout-Puissant? Romains 11, 34. Voilà comment toi, Léonard Lacroix, tu te es laissé aveugler par le diable et es devenu misérable et sans valeur. Tu ne es ni chaud, ni froid, c'est pourquoi le Seigneur t'a vomi. Apôtre 3, 15 à 17. Tous ceux qui te trompent en te faisant croire que ce n'est pas moi, est l'Éternel, la source des révélations à l'apôtre Gabriel, connaissent-ils les profondeurs de ma pensée? Peuvent-ils me sonder? Je suis un Dieu insondable, renchérit Jésus. Léonard Lacroix, vous me haïssez, toi, ta femme et tes collaborateurs qui sont tes conseillers et vous avez ainsi choisi la mort. Pro 8, 36. Et dès maintenant, ton équipe à toi Léonard Lacroix, tes pasteurs conseillers, ta femme et toi-même tout effort que vous faites en vue d'hériter du royaume des cieux ne sera profitable qu'au diable et moi, Jésus, je ne vous ai jamais connu 1 Jean 3, 5 et 6. Léonard Lacroix, tu as manqué de foi. Hébreux 11, 7. Tu te es érigé en grand juge contre ma parole lui reprocha à l'Éternel des armées. Léonard Lacroix, tu te poses des questions à propos de l'état spirituel des Français. Moi, l'Éternel des armées, je confirme que si la trompette avait sonné en 2015, aucun Français n'aurait pris part à l'enlèvement. Lorsque je parle de l'Amérique, moi, l'Éternel, dans le tableau relatif à l'enlèvement, je ne me limite pas seulement aux USA, mais j'embrasse tout le continent américain dans lequel une seule âme eût trouvé grâce si la trompette avait sonné en 2015. Ignorerais-tu le nombre d'âmes qui furent sauvées du temps de Noé? Sais-tu, Léonard Lacroix, avec quelle force moi, l'Éternel, je tiens le monde en équilibre? Peux-tu me dire, Léonard Lacroix, comment j'ai tissé ma relation avec le soleil? Peux-tu me dire, Léonard Lacroix, comment j'ai tissé ma relation avec la terre? Peux-tu connaître, Léonard Lacroix, chaque alliance de ma création? Connais-tu, Léonard Lacroix, toutes les abominations qui se déroulent devant mes yeux en Amérique? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de studios dédiés au tournage de films pornographiques aux USA?
Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre d'acteurs tournant dans les films pornographiques aux USA? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre des avortements qui s'effectuent aux USA? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de trafiquants de drogue évoluant sur le sol des USA? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de soldats enrôlés dans la franc-maçonnerie aux USA? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre d'orphelins et de veuves qui m'appartiennent et font ma volonté aux USA? Lorsque l'appareil législatif américain adoptait les textes favorables à l'homosexualité, toi Léonard Lacroix, que as-tu fait dans ce domaine en ta qualité d'homme de Dieu? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre des hommes qui empoisonnent leurs femmes par minute aux USA? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de parents qui empoisonnent leurs enfants par minute aux USA? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de femmes qui sont emprisonnées à l'instigation de leur mari aux USA? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de divorces qui sont prononcés par minute aux USA? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de faux mariages célébrés par minute en terre américaine? Connais-tu, Léonard Lacroix, le devoir spirituel des enfants et as-tu jamais comparé au texte adopté par l'appareil législatif américain en cette matière? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de maris ou d'hommes qui couchent avec les femmes par l'anus en terre américaine? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de maris qui sucent le vagin de leurs femmes en terre américaine? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de femmes qui en font autant pour les hommes en terre américaine? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de femmes qui montent à califourchon sur les hommes en terre américaine? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre de personnes qui adoptent des relations malsaines et contre-indiquées lors de leurs ébats sexuels sur le sol américain? Existais-tu toi, Léonard Lacroix, lorsque moi, le Seigneur, j'ai créé la terre, les cieux, le contenu de la terre et des eaux? Connais-tu, Léonard Lacroix, le nombre des cheveux sur la tête de l'homme? Peux-tu toi, Léonard Lacroix, ajouter un seul jour à ton âge? Puisque toi, Léonard Lacroix, tu ne es pas encore convaincu que à peine deux âmes parviennent au royaume des cieux en une année, alors moi le Seigneur Jésus je te demande si tu connais le moment où les personnes s'endorment après s'être couchées. Connais-tu, Léonard Lacroix, le moment où les personnes endormies se réveillent de leur sommeil? Connais-tu, Léonard Lacroix, le moment où tu entres dans ton sommeil et celui où tu en sors? Alors, Léonard Lacroix, lorsque tu ne connais pas l'explication d'une chose, il est préférable que tu te taises et que tu recherches la face du Seigneur, à l'effet d'obtenir d'amples explications. En tout état de cause, il est hautement préjudiciable d'aller rassembler d'autres âmes pour vous liguer contre le Seigneur sur des questions le concernant dont vous n'avez pas encore l'éclairage requis. La situation spirituelle des femmes. Le Seigneur Jésus m'a fait observer que s'il fallait divulguer et exposer sur un écran la vie des femmes, aucun homme ne serait plus jamais hardi à les prendre pour épouse, cependant que les personnes déjà mariées se trouveraient dégoûtées de poursuivre la vie conjugale avec leur conjoint. Il s'ajoute à cela que les démons ont spirituellement eu des rapports sexuels avec toutes les femmes qui font usage de fards, de maquillage, d'ornements en articles de joaillerie. Les démons couchent spirituellement avec les femmes qui font usage de mèches de fil à tresser, de perruques ou qui ne se tressent qu'à partir de leurs cheveux naturels. Ces viols spirituels, le Seigneur Jésus les dénonce à toute fin utile et nous les révèle. Toutefois, cela c'est sans compter avec les aspects relatifs à la taille phénoménale des organes sexuels de ces démons. Munis d'un membre viril de 36 cm environ et d'une grosseur proportionnée en conséquence, les démons dotés en la matière d'attributs sans commune mesure avec ceux des hommes. Ils ont de plus la capacité de sécréter du sperme, le plus insalubre, le plus nocif et le plus délétère qui puisse être. Ce sperme du diable donne naissance à de gros vers que l'humain ne peut voir. Ces vers prolifèrent et restent actifs dans la cavité utérine occasionnant, à la longue, des maladies telles que diverses infections, le fibrome et autres cancers. Le Seigneur Jésus voudrait que les femmes du monde entier sachent que c'est bien lui, elle éternelle, qui vient à leur rescousse en annihilant toutes ces infections et en les purifiant.
Jésus précise que, jusqu'à présent, aucun homme sur terre n'est à même de juguler de tels maux provenant des démons. Jésus s'acquitte de bon gré de ses diligences thérapeutiques, en raison de son amour pour l'être humain, mais également afin de venir en aide à ces hommes qui prendront lesdites femmes en mariage. Et pourtant ces mêmes hommes sont ceux qui encouragent les femmes à faire fi de sa volonté et les concernés obéissent. Jésus signale qu'il ne fait pas de tels constats de désobéissance, s'en sent attristé. Combien de femmes sont-elles à pouvoir certifier qu'elles n'ont pas couché avec un, voire deux, voire trois sinon un plus grand nombre d'hommes avant de s'engager résolument dans les liens du mariage? Il n'en demeure pas moins vrai que les femmes qui se sont données à un, deux, trois ou même 1000 hommes avant le mariage encourent une même condamnation et par conséquent les mêmes punitions en enfer, sauf si elles se repentent avant de mourir. Par ailleurs, le genre humain gagnerait à savoir que les maladies sexuellement transmissibles ne sont pas les seules qui sont contractées lors des relations sexuelles, les démons peuvent aussi, à l'occasion, se saisir de l'homme ou de la femme ou encore des deux. En conséquence, il n'existe pas de petits péchés. Message du Seigneur Jésus concernant le mensonge. Le Seigneur Jésus me signale que tous les menteurs auront leur part dans le feu de l'enfer avec le diable. L'enfer comprend plusieurs sections ou départements. L'un d'entre eux a été spécialement aménagé pour Satan. L'intensité de la chaleur y est 1000 fois plus grande que partout ailleurs. C'est précisément à cet endroit que seront placés tous les menteurs dont le père est le diable. C'est Satan en personne qui y accueillera tous ses enfants et il demeurera là avec eux, dans une souffrance éternelle. Jean 8, 44. Message du Seigneur Jésus à l'attention de ceux qui se mettent en colère contre leurs prochains. Le Seigneur Jésus m'a révélé que ceux qui se mettent en colère contre leurs frères sont semblables à ces sectaires qui font des sacrifices humains de plus de 1000 âmes. Matt 5, 22. Par conséquent, ils auront les mêmes jugements et les mêmes punitions que les 10 sectaires en enfer. Jésus dit bien que celui qui garde rancune à son prochain dans son cœur est déjà un meurtrier et mérite de recevoir la punition prévue à cet effet. 1 Jean 3, 15. Jésus demande en conséquence à toute la création de se repentir de ses mauvaises voies, d'autant qu'il est venu mourir pour l'humanité tout entière. Le genre humain ne devrait donc pas décliner ses divers manquements en termes de petits péchés ou de grosses iniquités, poursuit-il. Alors Jésus encourage le méchant à abandonner sa méchanceté et à devenir honnête et juste car, Jésus le répète inlassablement, il n'aime pas la mort du pécheur mais reste plutôt attaché à sa repentance. Ézéchiel 33, 11. Il demande, avec insistance, à toutes les femmes de se soumettre à leur mari. Nombre de femmes ont fait basculer leur mari au rang de PD à cause de leur désobéissance. Aussi, les hommes ont-ils préféré s'unir entre eux parce qu'ils se comprennent réciproquement. Parallèlement, nombre de femmes sont devenues lesbiennes parce qu'elles s'entendent parfaitement entre elles et sont décontenancées de leur commerce avec les hommes. Le diable pour sa part a tiré les marrons du feu de ces querelles entre individus de sexe opposé, Satan est le seul grand gagnant de toutes ces mésententes dans la vie des couples. Il a exploité le résultat de ce manque de confiance entre conjoints pour instaurer ce qui est contre nature et diamétralement opposé à la volonté du Tout-Puissant, à savoir, l'homosexualité, la sodomie. Jésus en appelle alors à tout le genre humain, il doit nécessairement se réveiller pour déjouer les plans du diable. Message du Seigneur Jésus concernant les noms. Le Seigneur Jésus m'a fait savoir qu'il ne reconnaît pas les noms que nous prenons, notamment les noms de famille, exemple Douflé Cocou, Akako Komi Avudugbor YKO, Axolu Abla Q2A Amélé, etc. Jésus dit qu'il ne reconnaît pas tous ces noms. Jésus ne considère que les noms célestes, exemple Israël, Gabriel, David, Jean, etc. Dans ces cas cités, Israël est le nom de famille et Gabriel est le prénom, David est le nom de famille et Jean, le prénom. Cela ne signifie pas forcément que le nom doit être dans une langue étrangère, mais ce qui importe le plus c'est que le nom soit d'origine céleste. Le Seigneur Jésus m'a expliqué que nos noms de famille constituent un lien et un canal par lequel le diable nous tire vers l'enfer. Pour que ce lien soit rompu, nous devons rompre avec ces noms de famille et demander à l'Éternel de nous changer de nom.
Tous ceux qui gardent leur nom de famille ajouté à leur prénom iront en enfer après leur mort, à cause de ce nom d'origine diabolique, d'autant que les noms de famille ne peuvent pas être écrits dans le livre de vie. Jésus nous invite donc tous, les candidats pour le royaume des cieux, à prier et à lui demander de nous attribuer un nom, comme il l'a fait à nos prédécesseurs dans la Bible. Par exemple, il a changé de nom à Abraham qui est devenu Abraham, la femme de ce dernier s'appelait Soré et est devenue Sarah. Genèse 17, 5 et Genèse 17, 15. Il a en outre transformé celui de Jacob, signifiant voleur, en Israël qui veut dire bénédiction. Dans la mesure où le Seigneur a modifié le nom de Jacob, il nous appartient de supplier le Seigneur de nous attribuer le nom spirituel requis pour être inscrit dans le livre de vie. Il n'en demeure pas moins vrai que nous pouvons par nos œuvres mériter le ciel, mais aussi longtemps que nos noms ne seront pas inscrits dans le livre de vie, nous nous présenterons à la porte du royaume des cieux, sans pouvoir y entrer. Jésus insiste particulièrement sur ce point en exhortant tout un chacun à prier pour lui demander le nom spirituel requis. Diffamation à venir à l'encontre de l'apôtre Gabriel. Le Seigneur Jésus m'a révélé à moi l'apôtre Gabriel qu'un temps viendra, et le moment est déjà imminent, pour que je porte une autre croix. En effet, des individus aigris contre la vérité se mettront en besogne de produire des montages photos et vidéos pour souiller mon ministère et perturber ma mission. Jésus m'a fait savoir que les dites personnes se saisiront de mes images photos et vidéos et se serviront de logiciels de traitement d'images pour te faire passer, à la face du monde entier, comme un acteur de film pornographique. Jésus me précise que dans leur complot diffamatoire, ces délateurs prendront par exemple des images de ma tête pour les plaquer sur celles d'acteurs de films pornographiques en pleine action. Ils proféreront alors toutes sortes d'injures à mon encontre. Non seulement, me dit le Seigneur, ces personnes mal intentionnées produiront ces images répugnantes, mais aussi elles inventeront toutes sortes d'histoires infamantes, mensongères dans l'intention de me discréditer. Ces personnes diront de moi ce que je n'ai pas dit. Ces personnes divulgueront contre ma personne ce que je n'ai pas fait. Ils mettront tout en œuvre pour convaincre le public à partir de leur cabale pour profaner, ridiculiser et annihiler la sainte parole que le Seigneur a mise en moi. Jésus a vu venir ces moments d'épreuve et avertit les personnes qui se livreront à de tels dénigrements en disant « Malheur à ceux qui feront de telles choses ». Mieux vaudrait pour eux qu'ils ne fussent jamais nés sur cette terre. Tous ceux qui utiliseront les images de l'apôtre Gabriel pour en faire des montages à caractère diffamant pour les publier sur les réseaux sociaux seront en proie à des malédictions lourdes et sont d'ores et déjà des enfants de perdition. En tramant des coups bas à partir des images de mon élu Gabriel, averti le Très-Haut, ils verront s'abattre sur eux de redoutables maladies, des décès se produisant dans de curieuses conditions et toutes sortes de destructions inédites. Message du Seigneur Jésus à ceux qui critiqueront vainement l'apôtre Gabriel. Le Seigneur Jésus m'a dit ceci, « Quiconque prophétisera ou proférera des paroles avilissantes ou des propos désobligeants à l'encontre de son fils Gabriel, moi, l'Éternel, je déchargerai sur lui tous les péchés commis antérieurement par mon fils Gabriel et que je lui ai déjà pardonné. Que ces calomniateurs passent par Internet et les réseaux sociaux, qu'ils se produisent dans les médias presse écrite, radio, télévision ou qu'ils colportent ces médisances, ils se verront attribuer les péchés des mauvaises vies que mon oin a menées auparavant. Le Seigneur Jésus annonce encore ceci, « Quiconque murmurera contre toi, Gabriel, quiconque cherchera à compromettre l'œuvre que tu accomplis pour le Tout-Puissant, quiconque te méprisera, je lui imputerai les péchés commis avant ta repentance et j'ajouterai à cela ceux commis par ses propres parents jusqu'à la quatrième génération. » Le Seigneur Jésus dit encore ceci, « Celui que j'ai oint, que personne ne le blasphème. » Car même s'il venait à tomber, le Seigneur lui-même le relèvera. Alors, toi, prie pour lui si, éventuellement, tu constates sa chute. J'ai dit en psaume 105, 15, « Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas du mal à mes prophètes. » Alors, si nonobstant cette interdiction vous persistez, le malheur vous atteindra. Toute nation, tout royaume qui n'obsévera pas les préceptes que j'ai mis dans sa bouche, qui n'obéira pas à la parole que j'ai mise en son cœur se verra détruite ou détruit et sa chute sera effroyable.
En revanche, tout peuple qui obéira à ses recommandations, toute nation ou tout royaume qui suivra les conseils que moi, l'Éternel, j'ai mis en lui, même s'il ou elle était sur la voie de la ruine, vivra et prospérera en raison de son obéissance. Alors moi, l'Éternel, je la restaurerai, et je l'élèverai parmi les peuples, parmi les nations, pour qu'il soit constaté que je suis avec lui, mon fils Gabriel. Encore une fois, renchérit l'Éternel, j'ai parlé et cela s'accomplira certainement afin que vous sachiez tout que je suis avec mon oint, Gabriel. Le nommé Adjoto Martin gagnerait à se pénétrer de toute la substance des avertissements précités pour se refaire une éthique de vie, lui qui ne se refuse aucune déclaration mensongère à l'encontre de l'apôtre Gabriel sur les médias du Togo. Que lui a-t-il pris récemment de s'adonner passionnément à cette diatribe selon laquelle l'apôtre Gabriel se serait rendu dans l'enceinte de l'église de gloire sise à Ajbal-Épédogan pour y commettre d'importants dégâts matériels et demander, en se réclamant de Jésus, que soit brûlée la collecte de fonds issus des fidèles. Aussitôt informés de telles accusations, les responsables de l'église concernée se sont mis en devoir de souligner le caractère diffamatoire des allégations correspondantes tout en soulignant que l'apôtre Gabriel n'a pas fait de déplacement en direction de cette église. Emporté par sa verve et son humeur, le nommé Adjoto Martin a également mis au passif de l'apôtre Gabriel plusieurs autres accusations dont il est à ce jour impossible d'établir la véracité, au contraire toute cette cabale a reçu ça et là sur les différents points soulevés de cinglants démentis. Pour se dédouaner, le nommé Adjoto Martin a avoué s'être laissé induire en campagne de dénigrement par le célèbre pasteur John Tutuwa de l'église baptiste de Jagblé. L'apôtre Gabriel exhorte tous ceux qui auraient eu vent de ces violentes charges à son encontre à n'attacher aucun crédit à ces infructueuses invectives de pasteurs en mal de repère. L'apôtre Gabriel demande aux personnes tentées de le faire de sursoir à toute action de justice contre les auteurs de ces bassuvres qui se trouvant d'ores et déjà sous le coup des sanctions spécifiques prévues par le Très-Haut. Au contraire, l'apôtre Gabriel est plutôt enclin à implorer la pitié et la clémence du Seigneur pour ses responsables ayant choisi de verser dans les attaques désobligeantes au point de devenir de patentés orfèvres du mensonge. Que cela et tous leurs éventuels émules méditent et craignent davantage les énonciations de Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père ». Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est meurtrier et le père du mensonge. En tout état de cause ainsi que le Christ l'affirme, tous les appelés ne garderont pas forcément ses paroles, encore moins, tous les appelés ne mettront pas ses paroles en pratique. Ils les entendront, en rejetteront l'essentiel et en feront selon leur propre convenance. Certains de ceux-là se font d'ores et déjà les fervents diffamateurs de mon fils Gabriel. En revanche, les élus, ceux-là dont le nom est inscrit dans le livre de vie recevront ma parole, la garderont, s'y conformeront car il est écrit en Matthieu 22, 14, « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » La malédiction qu'infligent les hommes de Dieu aux fidèles. Tous les pasteurs maudissent les âmes. Ils refusent de dire la vérité aux fidèles. Toutefois, à l'occasion du décès des dix fidèles, ces hommes de Dieu prononcent la formule ci-après, « Que tes œuvres t'accompagnent », de ce fait, ils ne sont pas différents des marabouts, des prêtres vaudous, des prêtres catholiques, des adeptes de Mamie Water qui maudissent les fidèles en se servant des deux assertions suivantes. Le pasteur dit devant une dépouille mortelle, « Tu es poussière et poussière tu deviendras encore. » Lorsqu'il prononce le « Que tes œuvres t'accompagnent », ils ne sont pas différents du prêtre vaudou qui dit « Le dieu vaudou a retiré son nom ». Alors, sachant qu'ils n'entrent pas dans le royaume des cieux avec l'âme concernée, ils se permettent de la maudire. De même, ni le prêtre catholique, ni sa déesse Marie ne sont en mesure d'accompagner les âmes des défunts au portail du royaume des cieux. Il n'empêche que leur formule est « Tu es argile et argile tu deviendras à nouveau et que tes œuvres t'accompagnent ». Les pratiques des satanistes ne devraient en aucun cas pas être imitées par les chrétiens. Malheureusement, ce sont là des choses répandues par les « hommes de Dieu » du siècle présent pour ainsi implanter le monde dans l'Église. Désobéissance à la vie de sainteté. Le Seigneur Jésus me montra un foyer sur la terre.
La femme, après avoir appris la vérité selon laquelle l'homme doit vivre avec la femme issue de sa côte, tint à son mari le propos suivant. Arrêtons d'entretenir des rapports sexuels et prions afin que le Seigneur nous fasse savoir si je suis ta côte ou non. Aussitôt que nous en aurons eu confirmation, nous reprendrons nos relations. Le mari fit mine d'acquiescer. Peu de temps après, il alla ramener une autre femme et coucha avec elle sur le lit conjugal. La femme légitime, attristée par cette infidélité, rappela à son mari qu'il avait bien conclu, de concert, d'opter vers une trêve dans leurs rapports sexuels, pour les reprendre par la suite lorsque le Seigneur leur aura confirmé qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Le mari répondit ceci, « En attendant, moi je vais me satisfaire avec la femme que voici et lorsque le Seigneur t'aura révélé que tu es ma côte, alors nous reprendrons le cours des ébats que nous avons suspendus. » Face à cette réponse, la femme calma le mari en lui demandant d'oublier cette affaire. Sans autre considération, ils se donnèrent à nouveau l'un à l'autre. Et, la nuit même, la femme mourut et se retrouva en enfer, elle connaissait la vérité mais avait choisi d'endurcir son cœur. Quelques personnages bibliques en enfer. Jésus-Christ m'a montré quelques personnages bibliques en enfer. Absalom est en enfer et quelle en est la raison? Il conjura avec Achitophel pour renverser son père du trône et prendre sa place. 2 Samuel 15, 10 à 31. De plus, Absalom a couché avec les concubines de son père, et ce, aux yeux de tout Israël. Bien que l'Éternel ait dit de ne point toucher à son oint psaume 105, 15, il a failli à cette recommandation et mal lui en a pris. Lorsque le Seigneur me montra son image, je fus d'abord frappé par son extraordinaire beauté. Il arborait une chevelure abondante et très attrayante qui à elle toute seule pouvait peser environ 2 kg. Néanmoins, cette beauté légendaire s'est estompée en enfer en raison de sa rébellion. Achitophel est également en enfer. Moi, Gabriel, j'ai demandé au Seigneur de m'éclairer sur les raisons de cette situation. Jésus m'a dit que le fait de prodiguer de mauvais conseils à son prochain est une faute impardonnable devant l'Éternel. Achitophel aurait dû ramener Absalom à la raison et sur la bonne voie et il ne l'a pas fait. En lieu et place, il a plutôt incité Absalom à se révolter contre son père David, l'élu de Dieu. 2 Samuel 16, 21, 2 Samuel 17, 1. Le roi David pria et demanda au Seigneur de rendre les conseils d'Achitophel inopérants. 2 Samuel 15, 31. Achitophel a ainsi fini en enfer. Le Seigneur, à l'appui de ce cas précis, fait savoir au genre humain que tous ceux qui, à l'instar d'Achitophel, donnent de mauvais conseils à leurs prochains finissent en enfer. Il est par conséquent recommandé à toute personne versée dans la propagation de mauvais conseils, d'arrêter une telle activité, de se repentir, de se donner à Jésus, de se mettre à dire la vérité à autrui et de donner de bons conseils. Le Seigneur ajoute à cela que le même salaire est réservé aux envieux et aux autres convoiteurs. Le Seigneur me fit savoir ensuite que Salomon est en enfer ainsi que son fils Réoboam. Je fis valoir devant Jésus que David, le père de Salomon, est bien au royaume des cieux, dans ces conditions, comment se fait-il que sa grâce n'ait pas été étendue à son fils également? Et Jésus de me répondre que Salomon lui a désobéi en introduisant des femmes étrangères ainsi que leurs dieux en Israël. 1 Roi 11, 1 à 10. Jésus expliqua qu'il lui a accordé la sagesse mais il n'en a pas toujours fait bon usage. Sa fin a été lamentablement catastrophique. Salomon n'a pas su marcher devant l'Éternel comme son père David l'a fait. Pour sa part, Réoboam a commis plus d'abominations aux yeux de l'Éternel que son père Salomon. Saul est en enfer. Son fils Jonathan est également en enfer. Sursautant, je fis observer au Seigneur que Jonathan a beaucoup fait de bien à David et, à ce titre, n'aurait pas dû finir en enfer. Mais le Seigneur rétorqua, ni le commencement, ni le déroulement d'une action compte autant que sa fin. Le Seigneur rappelle qu'à la fin, Jonathan aurait dû dissuader son père d'aller consulter les devins. Telle n'a pas été sa démarche. Il a choisi de coopérer avec son père, quand bien même il savait pertinemment que Jésus est un Dieu jaloux.
Jésus souleva que Jonathan était parfaitement informé de cette vérité et il a essayé de ruser. Passant par personne interposée, il s'est donné toutes les apparences de celui qui n'est pas allé consulter les divinités. Alors Jésus affirma que beaucoup de personnes se comportent de cette façon sur terre, il m'envoie leur demander de se repentir pour éviter cette fin qui est celle de Jonathan, l'enfer. Par ailleurs, certaines personnes, fort peu connues ou citées dans la Bible, mais qui se sont distinguées par leurs œuvres ou les positions prises ont été admises au royaume des cieux. En l'occurrence, Gamaliel est l'un de ceux-là. Jésus dit qu'il a défendu sa cause en soutenant que si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira d'elle-même, mais si elle ne vient pas de l'homme, il est préférable de ne pas l'empêcher en courant le risque de combattre contre Dieu. Actes 5, 39. Jésus me rappela alors que ceux qui auront honte de lui, lui aussi aura honte d'eux au jour du jugement. Gamaliel n'a pas eu honte du Seigneur Jésus. Bien au contraire, il l'a confessé comme étant son Seigneur et son Sauveur par sa déclaration retracée en Actes 5, 34 à 39. Dès lors, tous ceux qui continuent d'avoir honte de Jésus doivent chercher à se repentir et prendre le courage de confesser et de publier le nom de Jésus, partout où besoin sera. Jésus revient très bientôt. Il reviendra à l'heure où même personne ne s'y attendra. Message du Seigneur Jésus à tous les habitants de la terre. Le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, demande à tous les habitants de la terre de considérer le livre de Genèse 19, 31 à 38. Il est très ferme sur le point suivant. Toute femme qui monte à califourchon sur un homme lors des rapports sexuels ou tout homme qui demandera à la femme de monter sur lui doivent dorénavant considérer qu'ils ont pour grand-mère les deux filles de l'eau. Ils deviennent, de ce fait, des descendants des Moabites et des Ammonites et les descendants de Sodome et Gomorre. Les concernés n'iront jamais au ciel à moins qu'ils renoncent à cette ignominie, cette horreur, cette abomination à la face de Dieu. Les concernés n'iront jamais au ciel à moins qu'ils décident de se sanctifier pour Jésus. Le ciel. Jésus m'amena au ciel où j'ai vu une table immense, très longue voire, longue à perte de vue et dressée de superbe, de luxueuse et de parfaite manière. Toutes sortes de mets y sont placés. Maître montrant cette table, Jésus me fit comprendre que tout est fin prêt. L'annonce de son retour est loin d'une fiction, un mensonge, une histoire à dormir debout, non. Je remarquai que tout sur la table est bien agencé, disposé avec un soin minutieux, une harmonie parfaite, un savoir-faire d'exception, un soin d'une inégalable qualité et un ordre sans équivalent sur terre. Jésus aime, invita et me servir et à manger. Mais moi Gabriel, sachant que Jésus devait me ramener sur terre pour y délivrer son message, je déclinai l'offre, en lui demandant si je ne devais plus revenir au ciel. À ces mots, le Seigneur me fit la réponse suivante, « Je ne faillis jamais à ma parole. Puisque je t'ai promis le ciel, tu viendras assurément au ciel comme je te l'ai dit. » Jésus ajouta, « Je veille toujours à ma parole afin qu'elle s'accomplisse. Alors, tu dois croire, Gabriel, à cette promesse que je t'ai faite. » Entre-temps, j'avais fait sous-entendre à Jésus que j'avais un mot pour lui. Néanmoins, je ne lui en dévoilerai la teneur qu'au moment propice, lorsque je serai définitivement installé au ciel. C'était bien sûr sans compter que le Seigneur lit dans les cœurs et dans les pensées. Du coup, le Seigneur me dit ceci, « Si toi-même tu ne crois pas à ce qui t'est réservé, comment alors, tes interlocuteurs pourront-ils te croire ?» Alors, je lui fredonnai cette chanson. « Puisque tu m'as juré sur ta vie, j'élèverai ton nom, puisque tu m'as juré que je ne raterai jamais le ciel. J'élèverai ton saint nom très haut. » Lorsque j'interprétais cette chanson, les fleurs et les herbes se mirent à m'accompagner et les instruments de musique se mirent également à l'œuvre dans un accord parfait, et les flûtes, et les pianos, et les guitares, et les saxophones et les batteries, et les trompettes, et que sais-je encore. Au même moment, Jésus fondit en larmes. Je l'interrogeai. Il me fit savoir que c'était là des larmes de joie. Sur ces entrefaites, Jésus me conduisit à nouveau devant la table. Cette fois-là j'ai vu une foule innombrable autour de la table.
Il était impressionnant de constater du monde, que du monde, toute cette affluence, tout ce foisonnement, à perte de vue, devant la table. Et Jésus de me dire, « Vois-tu Gabriel toute cette myriade d'âmes que tu me ramènes au ciel ?» Tu peux alors comprendre à quel point j'ai raison de pleurer de joie. Par la suite, Jésus me conduisit dans un appartement rempli de couronnes. Il me dit, « Voici les couronnes de tous ceux qui ont rejeté les paroles que je t'ai données. » Je vis, toi sans grave coup, toutes ces couronnes s'assembler pour n'en former qu'une seule. Jésus m'expliqua alors qu'il a récupéré les couronnes de ceux qui ont rejeté ma parole, pour m'en fabriquer une très large, étant entendu que les concernés ne parviendront jamais au ciel. Nous entrons dans un autre appartement. Les couronnes y sont beaucoup plus nombreuses que dans l'appartement précédent. Il était pratiquement impossible de les dénombrer. Jésus me dit alors que ce sont les couronnes de ceux qui ont accepté ma parole et la mettent en pratique. Dans un autre appartement, Jésus me montra les habits des saints. Ils étaient en très grand nombre. Jésus m'expliqua que c'est là le lieu de fabrication des habits au ciel. Ce fut pour moi l'occasion de vérifier la véracité des énonciations de la Bible faisant état de vêtements de lin fin d'un blanc éclatant. Jésus me conduisit dans une autre concession dans laquelle sont enregistrées les bonnes œuvres. Je vis que chacun des enregistrements du fichier portait, outre les mentions relatives à la bonne action concernée, les informations exhaustives ayant trait à la date, à savoir, l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute et la seconde. Il est à noter que seuls les bienfaits non dévoilés sont consignés dans ce livre. Les actes généreux que nous posons à l'endroit des tiers et que nous divulguons à grand renfort de publicité ont leur récompense immédiate dans le monde d'ici-bas. Sont en revanche attachées d'une cote élevée les interventions en faveur de tiers qui restent un secret entre le Tout-Puissant et nous seuls. Jésus me conduisit par la suite dans une chambre où se trouvaient toutes sortes de diplômes, attestations de pasteurs, d'évangélistes, d'apôtres, de prophètes, de docteurs. De la même manière, étaient disposées des couronnes, celles de la foi, de la sainteté, de la justice, de pères spirituels, notamment. Dans tout appartement brillent des couronnes. Je voulus lire les inscriptions figurant sur chacune d'elles, mais Jésus ne le permit pas. Nous avons ainsi parcouru plus de 7 chambres bondées de couronnes. Je fus, pour tout dire, ému à la vue de tout ce qui m'est réservé au ciel. Jésus me fit savoir que ces trophées constituent la contrepartie des injures qui me sont faites et des misères qui m'accablent dans ma vie, notamment, la faim, la soif, la nudité et toutes les autres maltraitances. Romains 8, 35, 1 Corinthiens 4, 11. Il me montra ainsi les médailles correspondant à mes œuvres au service de l'Éternel, à l'instar des récompenses relatives aux couronnes. Le Seigneur fit ensuite quelque chose. Je me rendis compte alors que le Seigneur Jésus et moi, nous étions en train de juger les hommes et toutes les créatures de Dieu, sommés de faire la reddition de compte. La mort se présenta et rendit compte tout en précisant les raisons qui justifient le nombre considérable de personnes tuées. La mer, les fleuves, les rivières, les lacs et autres étendues d'eau vinrent également en reddition de compte. Les montagnes, les vallées, les pierres, les arbres, le feu firent également leurs dépositions respectives. Toutes les créatures sur terre, dans les airs et dans les eaux se plièrent tour à tour à cette obligation de rendre compte. 1 Corinthiens 6, 1 à 3. Même les anges furent jugés par nous en application des stipulations des versets précités et tous ceux qui ne furent pas reconnus dignes ont été immédiatement jetés dans le feu éternel. Il va sans dire que la véritable justice régnait et que le jugement était exact car c'est bien le Christ lui-même qui vivait en nous, à ce moment précis. Je vis par la suite que le Seigneur Jésus-Christ et moi étions sur un cheval blanc pourvu d'ailes. Je lui demandai alors pourquoi lui et moi étions ensemble sur un même cheval. J'étais enclin à penser qu'il aurait dû me donner un cheval distinct. Mais Jésus me répondit qu'il fait miséricorde et grâce à qui il veut. Romains 9, 18. Partout où nous passions, il nous était jeté des fleurs à l'instar de ce qui se fait lors d'une cérémonie de mariage. Du fond du cœur, je remercie Jésus qui nous aime tant et veut qu'aucun d'entre nous ne périsse. Aimons-le en retour, soyons-lui fidèles afin d'hériter du royaume des cieux. Amen.
sound, but